aux ateliers, sauf que j'en vois un qui vient de débarquer. Je sais pas si t'es chaud ou pas, Nima, mais voilà, je peux éventuellement te filer le mic. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour celui qu'on nomme Romain, connu aussi sous le nom de Nima. Il n'y a pas le temps de stresser ou quoi ? Ouais, j'avoue que... Bonsoir. Donc, ce texte s'appelle « Allégorie du trou ». Allez, ça y est, c'est le début de la chute. Je goûte à ces nouvelles sensations, gravitation et lévitation. Je m'amuse sans vraiment comprendre ce qui se passe. J'observe les décors, je ne suis pas seul et je croise les regards. L'air caresse ma peau et rafraîchit mon corps qui se tourne et se retourne. Dans un sens, je vois la lumière du point de départ. La distance parcourue est connue, mais je ne peux pas revenir sur ma trajectoire. Vouloir la modifier est illusoire. Dans l'autre sens, l'inconnu mystérieux qui m'attire et dont je me rapproche inexorablement. À nous de choisir le sens qui nous convient, se jeter pleinement dans la découverte ou s'accrocher à d'où l'on vient. La lumière est rassurante, mais la brume est intrigante et se disperse lorsqu'on la traverse. Une averse me rafraîchit. Le temps s'intensifie. La vitesse de ma chute s'amplifie. Je ne suis pas seul dans cette faille. Certains sont nus et d'autres ont des coussins autour de la taille. Même en tombant, on est en bas de taille. On vole pas vraiment, mais on bat de l'aile. Qu'y a-t-il au fond de cette fosse, de ce puits ? La mort ou la vie ? Un crash brutal, un atterrissage. Je n'ai pas de présage et c'est pas plus mal. Les corps tombent en trombe, atterrissage forcé dans une tombe. Ce que je sais, c'est qu'au fond de ce trou, je finirai à l'ombre. Allez, ça y est, je ne peux plus penser à autre chose. Tout le reste semble futile. Ai-je pu me rendre utile ? Rassurez-moi, mais pas à l'eau de rose. Obnubilé par ce qu'il y a au bout, j'en suis plus proche que du début. Je ne connais pas la profondeur du trou, mais je crois que j'ai assez vécu. Croiser des regards, apprécier même à l'écart, profiter de chaque faisceau de lumière avant de finir dans le noir. Car, au final, ce qui importe, c'est bien la chute. Et pas l'atterrissage. Merci.